Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les bonnes habitudes à prendre pour faire décoller votre activité professionnelle. Alors aujourd'hui donc on en est à la troisième, on a parlé d'un état d'esprit toujours positif et de la lecture quotidienne. Voici aujourd'hui la troisième avec la pratique d'une activité physique ou sportive. Alors, pourquoi pratiquer une activité physique est importante? Alors, il y a plusieurs points en fait que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui. Alors, dans un premier temps, c'est la santé, tout ce qui est sport. Alors, c'est vrai que vous pouvez, moi je vous conseille de faire vraiment 1 heure tous les jours. Alors, soit un sport, soit une activité de, comme je dis, de relaxante, de relaxation. Des étirements également, ça peut faire partie de la relaxation. Des activités telles que le yoga, la méditation, pourquoi pas. Et également donc de la pratique sportive, alors des activités cardiovasculaires par exemple, dans une salle de sport ou faire un footing à l'extérieur, pratiquer un sport en particulier ou également du renforcement musculaire, musculation, poids de corps, etc. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est vraiment très très bien et c'est surtout que ça met un peu de côté aussi le travail et ça fait beaucoup de bien aussi à votre esprit. Moi, souvent, j'ai remarqué que quand je faisais par exemple un footing ou une activité de renforcement musculaire, eh bien souvent j'avais de nouvelles idées de développement pour mon activité. Par exemple, un nouvel article de blog. D'un coup, j'avais une petite idée comme ça sur le thème de mon article, ou alors sur un thème donc d'une vidéo, de ce que je fais ici, le thème de l'animation d'un séminaire, etc., etc. Et ce que je faisais, c'est qu'après, ben, juste après la fin de l'activité, je marquais sur un petit papier pour pas oublier donc toutes ces idées. Donc vraiment, ça développe aussi l'esprit très créatif. Donc ne négligez pas votre santé et également ça améliorera votre productivité. Alors est-ce que vous allez être capable de faire 1 heure tous les jours, donc alterner bien sûr entre la musculation, les activités cardiovasculaires, un sport à côté et les activités relaxantes? Et vous allez voir que ça va aussi un petit peu vous changer, ça va vraiment vous détendre et diminuer votre stress que vous pouvez avoir au quotidien. Voilà, et bien c'est tout pour aujourd'hui. Pour cette troisième bonne habitude à prendre, peut-être que ça a déjà été le cas pour vous. Si c'est le cas, continuez dans cette voie, vous êtes sur la bonne voie. À demain pour la quatrième habitude. Ciao!